verre est un produit fantastique et extrêmement polyvalent. Mais de quoi a-t-on besoin pour produire du verre? Principalement de sable et de chaleur. Tout commence par des matières premières qui sont chauffées à très haute température pour obtenir toutes sortes de formes et de produits en verre. En Belgique, on est vraiment bon dans ce domaine. Le secteur verrier belge est extrêmement varié et couvre toutes les activités possibles et imaginables. Pour produire du verre, les matières premières sont fondues dans un four atteignant une température de 1200 à 1600 degrés. Elles en ressortent sous la forme d'un liquide orange rougeoyant qui est refroidi et transformé en d'innombrables produits. On peut verser le verre, en faire des fibres, le faire mousser ou le couler. Et ensuite, il y a de très nombreuses possibilités. Les bouteilles en verre, la transformation du verre plat en vitrage isolant, les miroirs, les pare-brises de voitures, les écrans de GSM, mais aussi la laine de verre, le verre cellulaire et la fibre de verre. Nos 42 entreprises verrières sont ancrées dans le tissu industriel belge. On les trouve aux quatre coins de la Belgique. Elles fournissent un emploi direct à plus de 7500 personnes et pour toutes sortes de professions. La production, la recherche, les ventes, les transports, les fonctions administratives. Les entreprises verrières belges réalise un chiffre d'affaires total de presque 2,5 milliards d'euros avec des produits qui voyagent dans le monde entier et plus de 50% du verre fabriqué ici est envoyé au marché étranger. Le secteur du verre belge est un secteur économique important et varié, offrant de nombreuses possibilités d'emploi.